Voici la reine des citadelles, comme la surnomme celui qui l'a dessinée, le marquis de Vauban. Cet homme d'origine modeste va devenir le meilleur ingénieur du roi, notamment grâce à la réalisation de cette fortification. Un modèle qui a fait ses preuves, puisque depuis plus de 3 siècles, les militaires ne l'ont jamais quitté. Ce site étonnamment bucolique est aussi devenu un lieu de promenade très prisé des Lillois. Mais aujourd'hui, pour Chantal Zamolo, la balade sera studieuse. L'historienne prépare un manuel pour l'université sur cette fortification qui a révolutionné l'architecture défensive. Ses murailles sont volontairement basses et camouflées par une dense végétation. Cette citadelle, on l'aperçoit à peine, elle est complètement rasante, elle est dans un terrain marécageux. On essaye de se dissimuler le plus pour absorber le moins les tirs de boulets qui deviennent de plus en plus compliqués. Ils font des brèches dans les murs et ce ne sont plus des murs hauts qui vont permettre d'assurer la défense. C'est au contraire en repoussant les attaquants le plus loin possible qu'on va se protéger des boulets de canon. Et ça, c'est une révolution. Car depuis le Moyen Âge, pour défendre un site, on l'entoure de murs, les plus épais, les plus hauts possibles. La muraille, par sa verticalité, protège des assaillants. Cela fonctionnait jusqu'à ce que le boulet métallique arrive sur le marché de la guerre et vienne à bout des plus hauts châteaux forts. La solution imaginée par le marquis de Vauban, c'est d'amortir les impacts avec des masses de terre. Il fait alors sculpter le terrain et la défense se joue désormais à l'horizontale. Devant ses remparts, l'ingénieur multiplie les ouvrages, simples mais efficaces. Tenaille, puis contre-garde. Et enfin, des terrains en pente, sur lesquels il est impossible de faire tenir un canon. Si l'assaillant réussit néanmoins à franchir tous ces obstacles, il sera alors cerné de tous côtés. Cette citadelle est une étoile à 5 branches, sans aucun angle mort. Les canons peuvent ainsi couvrir tous les flancs de l'ouvrage. Le génie de Vauban ne s'arrête pas là. S'il a choisi un terrain marécageux, ce n'est pas un hasard, ni une erreur, bien au contraire. L'eau va être un des éléments fondamentaux pour la défense de la citadelle. Ici, on est dans une zone sans véritable relief, donc on est vraiment à la merci, j'allais dire, des attaques. Et la seule façon de contrôler ces attaques, c'est de canaliser les eaux de manière à faire en sorte que des inondations soient possibles autour de la citadelle pour en faire comme une île au moment où il y a des attaques. Donc il va canaliser dans toute la région les rivières, avec un joli terme d'ailleurs, il dit corriger les rivières. Et des écluses vont permettre de successivement inonder les environs de la citadelle. Ça empêche la cavalerie d'avancer, ça empêche les canons de pouvoir s'installer. Donc c'est vraiment un obstacle modeste mais très efficace en cas d'attaque. Ce système d'inondation ne sera utilisé qu'une seule fois, en 1708, mais avec succès. Grâce à lui, la citadelle n'a jamais été prise. Comme si la promesse que Louis XIV a fait marteler dans la pierre de l'entrée principale était indiscutable. On a le symbole du roi soleil tout en haut, avec des vaguelettes autour, comme s'il écartait les nuages. Le message, c'est que Louis XIV a conquis cette ville en 9 jours. Ça prouvait la faiblesse de cette ville et qu'en apportant cette citadelle, lui, il a l'intention de rester et d'apporter la paix à la ville de Lille. Mais cette porte royale, elle est tournée vers la ville et donc elle est aussi une démonstration de force parce que les Lillois n'ont pas été ravis d'être conquis par Louis XIV.
Pour ses recherches, Chantal a obtenu l'autorisation exceptionnelle de pénétrer à l'intérieur de cette enceinte très secrète. Si pour Louis XIV, cette citadelle est un outil de domination, dans l'architecture, Vauban joue la carte de l'apaisement. Il met à l'honneur la brique rouge, typique des Flandres. Mais dans un style bien français, régi par l'ordre et la symétrie. Signe que la guerre reste la priorité, il réserve à l'arsenal, qui abrite armes et munitions, le plus beau des décors. La nouveauté, ce sont ces casernes, où peuvent dormir 3000 soldats. Jusque-là, l'armée logeait chez l'habitant. Mais après la conquête lilloise, ce ne sera plus jamais le cas. Cette citadelle va s'approcher de son sens le plus pur. En italien, cittadella signifie « petite ville ». On y trouve une église, une boulangerie et même une brasserie. Pour moi, c'est toujours une émotion de rentrer à l'intérieur de la citadelle. D'abord, c'est un privilège. Et puis, moi, j'ai été sensible aux mots de Vauban qui dit « ce qui contribue à la solidité contribue à la beauté ». Et lorsqu'on est ici, on est frappé par la beauté des choses qui ont été créées. Chantal a identifié sur cette vaste place d'armes un geste architectural très symbolique. Elle est bien sûr dédiée à Louis XIV et on voit ici très très bien donc le soleil et les rayons du soleil. Tout va être guidé par ces rayons du soleil jusqu'à couper même certains bâtiments de manière à ne pas heurter le rayon du soleil. Résultat, presque aucun bâtiment n'est à angle droit. Cela ne doit pas être facile à meubler. C'est une manière de vraiment manifester ici ce monarque de droit divin qui veut rayonner sur ces terres de Flandre. Avec cette citadelle révolutionnaire, Louis XIV réussit le pari de marquer la ville de Lille pour toujours.